que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Puis c'est une vidéo où je vais vous montrer des idées de coiffure que vous pouvez faire qui sont vraiment trendy en ce moment puis qui vont être vraiment pratiques cet été quand il fait... Quand il fait vraiment chaud puis qu'on n'a pas envie d'avoir les cheveux dans notre visage. Donc ça fait vraiment longtemps que je vais mettre une vidéo de ce style-là. Puis ben j'aime vraiment ça moi dans la vie faire des coiffures. Fait que je me suis dit que ça serait le fun d'en faire une nouvelle vidéo. C'est cool! Fait qu'on aussi est bien content. Donc c'est ça! Sans plus attendre, c'est parti! Donc pour la première coiffure, ça implique des tresses françaises. Donc j'espère que vous savez comment faire, sinon je vais essayer de vous expliquer. En fait, vous commencez par prendre un petit peu de cheveux sur le dessus de votre tête, puis vous tressez. Puis à chaque fois que vous passez une couette, comme pour la mettre au milieu, vous prenez des petits cheveux sur les côtés pour les ramener au milieu pour ensuite comme continuer à tresser en tout cas. Donc c'est ça, j'ai fait ça longtemps, puis là il y a Freckle qui est venu me donner un câlin. Puis j'ai fait exactement la même chose de l'autre côté. Vous pouvez toujours essayer de faire la même coiffure sans faire des tresses françaises aussi, juste en faisant deux petites tresses. C'est vraiment vraiment mignon, je le fais aussi des fois. Mais la particularité de cette coiffure-là, c'est que j'attache les deux tresses à l'arrière de ma tête pour que ça donne l'effet comme si les tresses passaient puis allaient jusqu'à l'arrière de votre tête. Donc vous faites juste nouer le tout, puis vous défaites votre couette et voilà, ça ressemble à ça! La deuxième coiffure est beaucoup plus simple à mon avis, donc vous commencez tout simplement par prendre une petite section de vos cheveux à l'avant, puis vous faites une petite tresse tout simple, juste devant vous comme je fais présentement. Ça peut être un peu long, tout dépendant de la longueur de vos cheveux. Et vous faites exactement la même chose de l'autre côté. Puis vous prenez une petite partie de cheveux à laquelle vous ajoutez votre tresse et ça donne un petit effet vraiment simple et mignon. Et c'est aussi simple que ça. La troisième coiffure, c'est probablement la plus rapide à faire. C'est vraiment simple, vous faites juste prendre une petite partie de cheveux que vous tournez et vous ajoutez des cheveux au fur et à mesure que vous tournez pour en faire deux couettes vraiment spéciales et originales. Et voilà! Bon, pour la quatrième coiffure, j'avais essayé de faire quelque chose que j'avais vu qui était vraiment vraiment beau sur la personne qui l'avait fait, mais écoutez, comment je pourrais bien vous dire ça, ça n'a pas été tant un succès. Je vous la montre quand même parce que vous pouvez peut-être essayer de la faire, ça pourrait peut-être être plus beau sur vous. En fait, vous commencez par faire juste deux tresses dans deux couettes séparées que vous loussez, puis ensuite vous les passez dans les élastiques de vos couettes. Ensuite, vous allez croiser les tresses pour les rendre comme les nettes par-dessus les deux couettes. En fait, vous voyez ce que je fais là. Là, j'étais allée chercher des bobépines que j'ai essayé de placer, mais c'était un fail. Moi, je trouve ça laid. La prochaine coiffure, vous l'avez sûrement déjà vue ailleurs, mais c'est super simple. C'est juste de faire deux couettes et de les transformer en deux petites toques auxquelles vous pouvez ajouter des bobépines pour sécuriser. Et moi, j'ai laissé sortir en avant deux petites couettes pour rendre ça encore plus mignon, je trouvais. Et voilà, c'est tout. La prochaine coiffure implique encore une fois une toque, mais je trouve vraiment que c'est une toque avec un petit peu plus de spicy qui est vraiment différent. Donc comme vous voyez, j'ai ajouté un foulard à ma toque. J'utilise celui-ci pour faire une tresse avec deux autres de mes couettes et puis j'attache le tout et j'enroule autour de mon élastique pour faire vraiment une toque. Vous pouvez ajouter des bobépines pour vraiment sécuriser. Je trouve tellement que le résultat est nice! J'ai essayé la coiffure avec le foulard que j'ai juste noué en avant pour m'aider à bien placer. Puis ça fait tellement une coiffure originale et nice, j'adore. Vidéo, tout le monde, j'espère vraiment que vous avez aimé. Il y a une des coiffures qui a comme été un peu un fail,
Mais écoutez, j'essayais des coiffures moi aussi en même temps. Mais à part, je trouve vraiment que ça a bien tourné. Puis j'ai vraiment hâte de les faire cet été. Donc, si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser des petits thumbs up et de le dire dans les commentaires. Puis on se voit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!